Lisa. Moi, je l'ai très bien connue. J'avais quitté les planches du cabaret depuis quelques années et je gérais un hôtel à Montmartre. Maurice est entré dans ma vie en 1898. La première fois que je l'ai vu, il m'est apparu comme l'homme de mes rêves. Il était beau. Une statue grecque, avec un regard dur, appuyé sur un sourire timide. Un regard dur et des moustaches de mousquetaire. Il venait d'Italie, de la vallée d'Aoste, un pays derrière le Mont Blanc. Il est arrivé, il est là, le maître Ramona. C'est toi qui vas partir avec lui. Prends garde aux brigands. Je promets. T'inquiète pas, maman. Fais-moi confiance. Sur la route et d'autres
se succédèrent les unes après les autres, et les femmes aussi. Mademoiselle Antoinette Passy, voulez-vous prendre pour époux monsieur Maurice Garin, ici présent, pour l'aimer et le chérir dans la fidélité, dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de votre vie? Oui. Monsieur Maurice Garin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Antoinette Fassi, ici présente, pour l'aimer et la chérir dans la fidélité, dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de votre vie? Oui. Je vous déclare mari et femme. Le 60 kilomètres concentrés. Deux fois tu as gagné Paris-Roubaix. Tout plus vite que tu ne l'as jamais fait. En tête de course, tu mets le peloton. Plume dans l'air, libre comme un avion. Tout bouge, personne n'arrête. Tu vas gagner de tes jambes ta tête. Personne n'en pense, n'est si fou ni si bête. Au passage du trou, de fermer les fenêtres. Lyon, Lyon, Marseille, Marseille, Toulouse, Toulouse. Bordeaux, Nantes, et pour finir, Nantes, Paris. Vous êtes un génie. Ce sera une course honnête, sans tricherie. Une course pour les meilleurs coureurs. Or, vive le Tour de France! Fichère, donne-moi le relais.